créateur de pièces comptées. Donc un petit jeu de cartes sur le thème de la pâtisserie pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu qui est sorti au Flip 2014 et maintenant on peut le trouver un peu dans toutes les boutiques du coin, donc sur Poitiers, à Kingjouet aussi appartenait, et puis moi sur toutes les dates où je me déplace en vente directe. Et sinon moi je suis originaire du coin aussi, j'étais animateur au Flip avant de devenir éditeur et mon activité est basée à côté de Parthenay, quoi. En ce moment je suis à la Pérade. Je vais vous présenter donc deux jeux. Un qui s'intitule La Tour des Anges. Vous pouvez imaginer un principe en deux pièces qui s'assemblent, on les emboîte et on fait des volumes, toutes sortes de choses. J'ai également inventé et créé le Plateau des Anges, qui est un jeu de plateau avec panneaux interchangeables. On peut les trouver sur... Moi je viens de la région de Poitiers. On peut les trouver aujourd'hui, on va dire, chez moi, parce que je cherche souvent des personnes qui sont intéressées sur ce projet. Aucun éditeur ne soit la bienvenue. Dragondin est un petit jeu familial, un jeu de cartes familial, un jeu de pique, inspiré de la Belote, du Barbu, de la Dame de Pique. Public familial et surtout les touristes à l'origine, puisque moi je travaille dans le Marais-Poitevin. Et la question qui revient souvent, c'est qui est les Dragondins. Donc du coup, j'ai apporté la réponse au bord des règles via la biographie du Dragondin. Et on peut s'amuser avec les Dragondins en parallèle. Voilà. Alors à partir de 8 ans, on peut jouer plus petit aussi, hein. C'est juste pour le comptage des points, ça peut être un peu compliqué. Mais là, les plus grands peuvent compter les points pour les plus petits. Et c'est de la mécanique de pli, je demande une couleur, je dois fournir la couleur demandée. C'est pas compliqué en règle. Okay. C'est le petit frère du Grand Marais, qui a 5 ans maintenant, qui est aussi destiné aux touristes à l'origine, qui passent dans le Marais-Poitevin, où on reconstruit le Marais-Poitevin comme ça l'était à la maison. Cédric Chaboussi, donc l'auteur du jeu Lewis et Clark, sorti l'année dernière. Et cette année, donc, appartenait, je présente un petit peu en avant-première mon prochain jeu qui sortira en milieu d'année prochaine, toujours chez Ludonot, et toujours dans l'univers de Lewis et Clark, mais qui sera un jeu complètement indépendant, c'est pas une extension. Donc c'est un jeu qui dure environ une heure, qui se joue à partir de 12 ans jusqu'à 4 joueurs pour l'instant. Et il y a des dés, comme vous pouvez le voir sur le niveau de la présentation, des dés et des cartes. Et puis voilà, donc je vais pas en dire plus parce qu'on n'a pas vraiment, pour l'instant, on n'a pas de nom de jeu, on n'a pas de. Voilà, le proto n'est que vraiment très sommaire pour l'instant. Donc voilà, le boulot d'illustration va commencer. Donc j'espère qu'il vous plaira l'année prochaine quand il va sortir. Merci.